Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix. Vous êtes de nouveau les bienvenus dans Tindika Tindika Télévision. Merci à vous pour vos bonnes fréquences. Yamalamu, Oezali Tindika Tindika Télévision. Na confiance au bopé si biso pe fidélité na bino ya kolanda ka basango to memela ka bino na bandako na bino. Merci pe na bino bozo continuer ko pesa toujours même confiance na émission oyo Debout Congolais oyo eza présenté na mwana mboka na bino Samba Olonga Justice Mochamé supo na baoba ebité. Merci na papi Kelina Rifin ki sombe po na opportunité bazo pesa ka biso ko présenter ka bino émission oyo Oyo ezali komema décryptage pe analyse ya actualité congolaise na lobaka comme na momesano ke actualité congolaise ezali complexe eza na ba réalité ebélé ba aventurier pe baza ebélé mais politique eza masano ndembote politique ezali pe musique te donc soko za kolanda politique luka pe olanda information ya malamu ya ngonde muto pe saka biso bososoli ya ko comprendre nini décision ya malamu to zo pe ya mabeni ni tokoy kotika Bino batu bozo soutenir émission Debout Congolais pour ikendaka liboso na saluer bino de partout bozali pe na remercier bino une fois de plus boza les bienvenus na émission oyo lelo na yeli bino lisusu basango ya sika tumoni mwayiki kezalaki na début ya semaine oyo kobanda mkolo ya lundi déjà incursion ya ba M23 na Nord Kivu turoyo na Rutshuru batu Baluba mitouni 5 jours ou 6 jours après incursion au Salamaki na sud Kivu na Bukavu tout moni les sous les mêmes gestes se répéter les sous ba violent combat affronté ba FARDC na ba séan wana pour la deuxième fois na Rutshuru pourquoi encore l'est du Congo au même moment tozana ba état de siège ezali na nord Kivu pourquoi ba attaque oyo qui veut dire cela ezali ban décès balingi ba meka les sous kosala nini na kati ya mboka na biso pendant que toyebi ke ba gouverneur ya ba mboka oyo to ba province o ezali na état de siège bazali na kisasa ko luka ko négocier pour ba mettre fin na état de siège bango bazongela bibonga na bango mais entre-temps tozo mona ba acte wana ko se répéter ezali nini tout au long de cette émission il y a des grandes révélations bino bokozwa ya ba raté ba toyo ba comprendre te ba kokite ko ubunda bitumba na niveau politique ndenge na lobaka on ba yé na bitumba wana sur le plan sécuritaire pour na ko créer insécurité boko trouver ba révélation ezali ko loba ba guerre munene to pe rébellion munene oyo bazali ko préparer comme résistance na bango par rapport ya politique ya Félix Tshisekedi restez toujours branché to ko découvrir ango tout au long ya actualité na biso oyo pe tukoloba deuxième point ezali makambu ya grève oyo mai ko salema mekelinga ke salema na archidiocèse ya Kinshasa pona ba catholique mais tozali komona ke makambu oyo cardinal Ambongo azali ko reprocher na Tony Mwaba ke abazali ko respecter te ba enseignant to pe bazali ko tosa te ko linga ko exploiter ba enseignant yango tozali komona ezali ko salema na archidiocèse ya Kinshasa ekonoma ezali kosala yango alors to kolinga to découvrir awa nini vraiment précisément ezali kosala le manarchie de 16 ya Kinshasa pe lien nini ezali entre makambo wana na oyo bazali ko reprocher na ministère ya EPST pe makambo ezali kosala entre na ba négociation ezalima ki entre gouvernement na ba enseignant une fois de plus je vous souhaite le bienvenu et bonne édition ya émission oyo Debout Congolais ezali kola musa ba conscience ya ba congolais pour biso nyonso ba congolais to longwa na mulili to comprendre mayini neza koleka na mboka na biso to yeba kozwa pe ba décision ya malamu donc avant la démission na sengi na yo oza na bolingo ya mboka na yo penza soko oza na bolingo ya mboka na kanisi oza pe en commun de corps na nzambe oyo akelio oya pesio vraiment chance oza la congolais ndenge na utaye koloba awa incursion et salami les sous-sous ya ba rebelle balobi ke ezali ba rebelle ya M23 mais discours ango ezali contredit na
responsable moka ba M23 azali ko lobake bango ba yebi attaque wana te mais oyo eibani officiellement ezali ke attaque oyo esalami le susu entre ba FARDC na ba M23 na Rutshuru na Nord Kivu. Il n'y a pas 6 jours que attaque mususu esalamaki similaire na kati ya province ya Sud Kivu précisément na Bukavu. Et l'inkoloba nini tant to yebi que ndenge na lobaki na sommaire awa ba gouverneur ya ba ville oyo tope ya ba province oyo ezali na état de siège bazali kotambola bazali na Kinshasa koluka ko négocier po ba rétablir bango na ba fonction po état de siège ici là. Certains députés ya ba province wana respective Nord Kivu Ituri bazali ko senga que état de siège ba prolonger ango le susuté ezali ko apporter solution mon côté. Mais awa tomoni lisusu makambu ya boye ko se répéter pendant que ba FARDC na biso bazali ko bunda pour rétablir la paix pour réinstaurer l'autorité de l'état na ba zone oyo sécurité ezali te paix autorité ya l'état ezate bato balobi ezali ballon de sétonine lien ni ezali entre makambu oyo eleki elekaki na Bukavu na oyo ezoleka na Rutshuru. L'analyse claire que je fais est basée sur ma information autozoaki. Il y a de cela 4 semaines, presque 1 mois, Oyo ndeko moko correspondant au solo la kanaye mingi aza na États-Unis. Baza maintenant au total 2 balobi ce qui va se passer en RDC. Ba ebisingai balobi la communauté internationale a kokukate ko mettre terme a kokate ko handicapé ce que démarche na voie ou yakéi pour na makambo etali ba élection. Mais o ya correspondant Europe a ebisingai si Tshisekedi andimi ki a entériné décision ya désignation ya Kadima, s'il réussit au niveau politique, il y aura une rébellion qui va se créer à l'est du Congo. Rébellion mounine le sous Kobotama. Les Européens ne vont pas accepter cette défaite-là. Ça, c'est l'information reçue auprès d'un frère qui réside en Europe, précisément en France. A lobby que Soki, Félix Tshisekedi, a nommé Kadima comme président ya CENI. Guerre moussou se kobotama. Rébellion et qu'on s'est créé à l'Est. Pourquoi? Parce que combat oyo bazo mené na ye au niveau politique, ce qui va réussir te nenge baza na katia ko manipuler bacteur politique congolais contre Félix Tshisekedi pour trouver un consensus na bango. Ça dit ba trouver terrain d'entente. Ça dit guerre là oyo biso tozo mona na est oyo moni ba tentative ya ba création eza ba tentative ya ko créer ba rébellion ya sika eza na ba soubassement politique ça dit les mécontents de la politique de Félix Tshisekedi na scène nationale congolaise na scène internationale ba européens surtout majoritairement oyo ba trouver na nous gain de cause te j'en ai même parlé na ba émission nanga elekaki pour dénoncer ça. Loko la ba trouver gain de cause, c'est-à-dire na ba collaboration bazo sala na Félix Tshisekedi nanu ba trouver terrain d'entente. La France et certains pays mingi principalement la France bazana ndenge na bango balelaka na Congo na makambu oyo bango ba mesana ko sala na Congo ba avantage oyo ba pesa bango na Congo. Pour que ces avantages là soient respectés, ba exige ka bazaka na acteur politique oyo ya bango oyo bachaka na scène pour acteur politique wana baza londire garantie na bango par rapport ya politique oyo bango bazo mener vis-à-vis na Congo. Donc ils doivent avoir des gens oyo bakozala na bango comme batu na bango pour na kosala politique active. Na lobaki na émission ute koleka par rapport ya makambu ya Lamuka. C'est de la même manière. Lorsque un gouvernement se compose au Congo, lorsqu'on a un président de l'Assemblée nationale, du Sénat, pour les Européens, balingaka, ceux qui sont aujourd'hui président de l'Assemblée nationale, ça pour bisoter, il faut toujours attendre le président du Sénat. Donc, le premier ministre, a tendance, français, belge, allemand,
C'est comme ça la réalité de notre politique au niveau européen. Bande kwana batali singa balobi yo mtozolo ba makambo tali la bolobela mingi situation wana. Les Européens kanda na bango vis-à-vis à Félix Tshisekedi na nécessité. Parce que il faut croire que Félix Tshisekedi na ba européen ce n'est pas un amour. Oui, ils ont comme ça les manes, ils ont comme la diplomatie parce que les Européens, quand je parle, ils ont certains pays parce qu'il y a des pays où yo bazapé na politique ya mabété ndenge ba français bazo sala ngo ndenge ba belge na ba hypocrisie na bango. Mais il y a des Européens oyo ba rendre mauvais service na papa Tshisekedi. J'ouvre ici une parenthèse. Étienne Tshisekedi a beaucoup souffert de la mauvaise politique des Européens. Batikala ko comprendre réalité, batikala ko pesa e ouverture té en tant que d'une fils ya Congo, ya ko pesa e soutien ya ki diriger mboka wana. Non. Jusqu'à sa mort na ba Européen ezalaki kaka mikakatano batikali ko yoka nate. Jusqu'à tel point que yé pas zalaki ko mené ba ngoka la politique ya Boyoka nezalaki na passe. Mais comprenons que celui qui vient au pouvoir sort de l'école d'Étienne Tshisekedi et c'est son fils biologique. Il sait bien, il maîtrise bien la politique européenne, a ébi bien politique française, a ébi bien politique belge. A ébi batwana ben intérêt na bango ezani. Comment ba manipulaka politique ya mboka na biso? Ça c'est un avantage qu'a le président Tshisekedi au ezan sans précédent. Cet avantage au ezan ango il y a qu'à comprendre ma situation, d'avoir vécu en Europe, d'avoir compris ce qu'est la politique européenne, française, belge, particulièrement vis-à-vis à RDC. Et je peux cette large aventure, je peux dire que je vais retourner dans la banque. Pour ceux qui vont analyser, vous allez comprendre, depuis que Félix Tshisekedi a accédé au pouvoir, ma contrat, ma accord, ma kamoumingi, ma solo na emingi, na ba européen, principalement, je vais insister sur la France et la Belgique. Ils ont abouti en année. Nous savons que France, tant que Félix Tshisekedi a eu le pouvoir, pour nous rattraper pour retard dans Bango, Mbango, Mbango. Bayaki Mbango, à travers le ministre des Affaires étrangères, je ne sais pas si je me trompe, Yves Ladrion, je ne sais pas quoi, Mbango, la France est prête à collaborer, le gouvernement Sika, le président Sika Félix Tshisekedi, nous avons une enveloppe, il y a 300 millions, tout ça, tout ça. Pour une durée de 5 ans. Allez-y maintenant suivre. Qu'est-ce que la France fait vis-à-vis de Tshisekedi? Mandat ou pour parler que de ces mandats. Quelles sont les relations de Félix Tshisekedi vis-à-vis de la France? Vous trouverez qu'il n'y a pas d'amour. Baebi que c'est un acteur politique qui vient détruire base Yamabe ou Bango bazana Nango vis-à-vis à Congo. Alors l'habitude Yabatouana. Ce qui va montrer que politique, mutu azo mema politique, c'est toujours de la même manière au Bamemela qui Laurent Désiré Kabila. Lorsqu'ils ne se sont pas attendus au niveau politique pour à respecter l'accord na Bangote, parce qu'au moins Laurent avait des accords qu'il avait signés avec Bato Bamema qui est au pouvoir, aux Européens, aux Américains, c'est Baza qui n'ango pour les détruire. Contrairement à Tshisekedi, il n'y a pas d'accord, il n'y a rien, et ça les Européens n'aiment pas, parce que Bango ba yebi que. Pour mutu azala kui, il faut tous un antécédent moko na ye. Il faut tous un élément moko eza ko assujettir ye na biso. C'est ceux qui n'ont pas eu. La chance qu'a le Congo na régime a Tshisekedi vis-à-vis à européen, eza ki rien ne nous lie na ba européen sur base à antécédent to ba nyongo. Nyongo mususu to ngato kota awa na lobango mingi pe na ba émission na ngai na eza ya que Kabila na kanda na ina suka ya regime na ina déclin na a boya ki ba européen ba chambongo na bango na ba élection à Congo. Ça allait nous coûter très cher parce que likolo ya mbongo wana likolo soutien wana men mise na bango sur le plan politique linga kezala ya makasi. Ben injonction linga kezala ya makasi sur le plan électoral. Et c'est dans cette optique là que ba rata ki déjà départ. Maintenant ici pour l'Union européenne, Bakizaki déjà bato bazola en actualité. L'Union européenne accusé déjà Tshisekedi de ne pas vouloir organiser les élections. Tokoyo kanana yote, élection faisait l'organiser na délai alors que se préparer pour une éventuelle crise. Oyo bango bakoya kokota po babanda koloba voilà, Tshisekedi vous n'avez pas fait ceci. Vous allez suivre que même ba marche faut la sala ki ba marche na yesi zaki kaka ba bal d'essai ya ba européen na certains américains ou bakoma ki accro na politique wana. Tshisekedi azo solola bien te pourquoi pour na bango parce que
pour na bango lisolo vis-à-vis d'un président congolais là qui si la qui s'habille sur le boulot place qui s'auto coller là tout ça y va l'aise. Kabila a dirigé le Congo pendant 18 ans parce qu'à chaque bango à l'aise et certains Africains même bandai peut couper Congo na marque wana. Avec la rhétorique diplomatique oh tu sais que d'ailleurs n'ango parce que c'est la rhétorique du moment gagnant. Olingi cuivre, olingi or, olingi cobalt, oui, okozwa na yo, parce que toi tu vas gagner beaucoup. Biso tant to komi na niveau ko transformer en côté, mais exacte otike la biso mabulu. Il faut échanger ça les mots. On comprend que la campagne qui mène c'est que du pour le changement de mentalité na Congo, yango pa zo sala ngo vis-à-vis ya ba bailleurs na ba partenaires na biso sur le plan international. Ba apprendre pe ko changer mentalité na bango vis-à-vis na politique congolaise et ça on sait que c'est difficile. Bana ya ba esclave, bana ya ba esclavagiste, na bana ya ba ancien colon, ba tout ba colonisa biso. Esprit ya colonisation, esprit ya politique ya France-Afrique, ba esprit na bango ya ba politique wana nanu ekite bango te. Bazana na ba sekel ebele ya ba esprit wana pour changer de politique, ce n'est pas facile. Voilà pourquoi il est important pour nous, Africains, ba Congolais surtout, de comprendre vision ya président ya Boye. Il faut sortir des sentiers battus. Il faut, c'est le moment où il faut affirmer souveraineté na biso, to la ki sa maturité na biso vis-à-vis na ba européen baza na perte ya vitesse. Félix Tshisekedi est très coriace sur le plan politique et loko ba nuit bela zo zo yango wana. Il a une très bonne compréhension des réalités politiques, aza mieux forgé politiquement à la base. Il a une popularité où eza ko aider ye ke à survivre face à l'adversité azo faire face nango na bateau bazolinga été na monde comme na RDC. Donc pour rentrer ici dans le vif de notre sujet, nous allons comprendre que ce qui s'est fait na Nord Kivu, ce qui s'est fait na Sud Kivu, les deux incursions et salami ba rébellion et salana isali bande C, à la base ce sont des Européens. Il y a certaines informations qu'on ne divulgue pas parce que même dans notre armée il y a des gens qui travaillent pour décourager ba militaire na biso. Ces gens-là sont en intelligence na batu oyo bazo sala kabilo kuwana. Qui savent ba faiblesse ya armée congolaise oyo bayebi ba trou nini kabila tiki ya armée congolaise oyo Félix Tshisekedi azoluka azipa. Et pour eux lokola ba réussir te ko dissuader to ko dominer Tshisekedi sur le plan politique aza plus sage. Na baksyon na ye, il faut maintenant bakende mena sur le plan sécuritaire. L'instabilité qu'ils veulent créer, c'est maintenant nous Congolais tout comprendre comment politique niveau ni ne komi. Je réinsiste que Tshisekedi aza politicien moko coriace face à Mindele na ba Congolais ayebi ba réalité malamu plus que n'importe quel président. Vous verrez que ba président nyonso to connaître na mboko yo ba ye na connaissance ya politique te lokola o Tshisekedi aza nango. Et ça fait mal, très mal. Na ba occidentaux oyo bazaka na mutu na bango na esprit ya ko dominer pe ko exploiter Congo à outrance. Ce qui se prépare à l'est wana za bande C, on veut réutiliser les fils du pays pour na ko inventer une encore rébellion d'envergure. C'est une rébellion, ça c'est l'information. Bazo linga ba monter loko moko ya munene. Mais la souplesse de Tshisekedi déjà qui est assez flexible dans l'information. On a voulu boucher, même le président l'a dénoncé. Makambo Belezo se leka sur le plan informationnel par rapport à Makambo Belezo le Kanafron. N'a pas d'information au président Zosala. Il y a des gens qui veulent créer un circuit de désinformation. Pour désorienter le canal, il y a une bonne information. Au président, il faut avoir. Pour avoir voix, il y a pour créer le Kouana. Parce qu'on comprend qu'il y a une vigilance stratégique depuis que Félix Tshisekedi accéder au pouvoir. En tant que commandant des forces armées, il a sa stratégie à lui, celle que Joseph Kabila n'a pas utilisée parce qu'il avait aussi sa mission. Mission na yezaki ko déstabiliser. Mais en tant que moi na mboka, Félix Tshisekedi agit na ba logique na ye o mususu ko ko lobela wate. Mais pour ceux qui peuvent analyser ba comprendre que le FARDC, même ceux qui lelo ba komi na nous, na taite par rapport ya ba tante, ya ba congolais nyonso en termes de la protection, la sécurité du territoire national, les sécurités de l'intégrité territoriale, tout ce qu'on connaît là par rapport à la mission à Bangou. Mais on sait qu'il y a un sérieux travail au Tshisekedi d'Azosala sur les plans militaires, sur les plans sécuritaires.
La plupart y a bato bazo critiquer état de siège. Baza bato oyo baza responsable, baza na ba lien direct na insécurité où ça se produire na ba province wana. Au même moment pendant que makamwana za ko salema, ba gouverneur civil et certains députés baza ko tcha makelele na Kinshasa que ba longo l'état de siège na Nord Kivu na Sud Kivu. Ça dit pour ba continuer ko tambola na routine na bango na ba ornière na bango. Na business na bango wana. Ça dit ça passe ou ça casse, comprenant que le changement, la paix que nous voulons à l'Est ne se fera pas si bisognon se to kozala mobiliser. C'est ici ba congolais ba comprendre ce qui se passe. Ba lobate parce qu'il y a des gens qui disent oh moni, ba ti état de siège, mais il y a ba rébellion, ils ont salement incursion et salami ndenge nini far de sazawana. Notre armée a toujours et a encore batu oyo baza digne à conserver mboka te. Les traîtres sont là et parmi eux les fils du pays tous les bakaka ba rwandais infiltrés na kati armée na biso la police, mais nos frères bande kona biso oyo baza na kati armée qui continuent jusqu'aujourd'hui à être en intelligence na ba étrangers dans des mauvaises politiques ya ko nuire to ko déstabiliser intégrité territoriale ya mboka. Ça c'est grave. Et ces gens-là ont créé une ONG, une organisation, une société civile pour dire voilà, l'état de siège est un échec. Il y a des médias occidentaux, des médias étrangers, ils ont soutenu Bango. Les médias ont chaque jour, ils ont Sabino que non, voilà les raisons de l'échec de l'état de siège. Pourquoi l'état de siège ne réussit pas? Ces médias-là qui vous brandissent chaque jour, l'échec, il y a l'état de siège. Tant que vous êtes responsable, il y a des. Chaque fois que baza ko découvrir ba cache ya ba def bazo kanga bango, il y a des rébellions qui font des redditions bazo kanga ba jeunes gens bazo boto la minduki. Ces médias là n'en parlent pas, mais ba médias wana baza spécialistes parce qu'ils travaillent pour ça. C'est pour ça que ces journalistes là sont payés. Ba Africa Abia, ba RFI, ba France 24, toutes ces chaînes là au boyebi déjà ils ont makamboye bani Moussa na bango ko propager de mauvaises informations, de fausses informations. Objectif est à cadrage des informations, diabolisation, manipulation, diversion. La guerre s'est faite à tous les niveaux. Félix Tshisekedi est victime, il y a politique ou il y a zomema. On cherche à troubler l'esprit des Congolais. Va créer partout agitation. C'est dans cette agitation-là pour Bango, ne va réussir qu'au saboter action naïe. Si vous êtes Congolais, comprenez ces réalités-là de manière ouana. À l'Est, ce n'est pas une guerre. C'est un sabotage planifié contre l'action à Félix Tshisekedi. Pour eux, Balingi va faire échouer. Ce que vous avez Congolais, vous comprenez que l'incursion en Ezo Salema, Ezali, plan, le responsable est direct, Bazana Kishasa. Parmi eux, les kabilistes et Bazakuna, certaines personnes proches à Moïse Katumbi, Baye Bibilo Kouana. Comme ils ont échoué au niveau politique, Baye Nango na niveau ya sécurité. C'est-à-dire, rébellion est éclatée. Va faire éclater des rébellions dans certains coins du pays pour pas même Tshisekedi à la concentrer dans Makamwana. Comme ça il va échouer na 2 ans au Etikali to une année na ndambu à quoi échouer pour na kokokisa ba réalisation mususu. Comprenons les choses à ce niveau. Si vous êtes congolais, vous comprendrez que tous à la mobiliser surtout ba toi est bozole la non insécurité. Non, prenez un peu l'exemple, il y a vigilance citoyenne, il y a ba congolais, même si c'était de manière où ezala ki correcte. Batoye baki concrètement politique, il y a Mouzé Laurent Désiré Kabila. Mais les citoyens quinois de l'époque, ceux qui étaient en la district à Tchang ou à Kinshasa, ils se sont pris en charge. Comment Bino Bozé Bélé, comment l'ennemi peut entrer dans vos villages, entrer dans vos territoires, Azako massacre, Azako Sala, Bino Boye bako identifié yete. Yango bazo benga vigilance citoyenne. Ici, comprenez que tout ne se dit pas. Pour na baoba koyoka makambo na zoloba, comprenez ça comme ça. Ici tozo bunda bitumba na ba force du mal oyo bazumbo ka otage pour le changement pour le kana Congo, il faut des consensus. Il faut appeler ça bango ba concession. S'il n'y a pas de concession à faire na bango pour ba exploiter ka ba sola ka désordre na bango ndeba lingi, ils ne veulent pas laisser le chemin. Lit ya instauration autorité de l'État, ils a buté na difficulté ya ba mentalité ya ba ndeko na biso. Na ba prédateurs nationaux et internationaux, o ba si ba comprendre que pour na bango leur business c'est dans la guerre. Leur moyen de défense c'est d'utiliser les Congolais faibles
Kopesa bango minduki babo manaka po bango ba continuer ko exploiter. Réveillons-nous, chers frères congolais, de l'Est et surtout, partout en sécurité, Zali. Vous pouvez aider mieux l'État, aider le gouvernement en étant vigilant. Ce qui est binomoko, vigilant, c'est l'équipe Moussala au phare de sa zosal. Ce qui est le tout congolais de l'Est à comprendre que notre avenir est entre nos mains, les solutions sont entre nos propres mains. Te reconnaître sous ma bêtise. Ici, vérité, il y a déjà ba yebisi bino. Ce ne sont pas des rébellions, ce sont des gens indignes. Et ça, bato bazo se retrouver dans la politique et alléluia Félix Tshisekedi. C'est leur façon de revendiquer. Batouana bazo salawana, ils ont leur parrain en Europe et ailleurs au Ebilo Kwanesa na Katia Kosalim. J'ai même fait à ce point-là pour na rosu qui sa côté Oyo. Ya makambo etali makambo ezole kana na makambo ya EPST, makambo ezole kana ekonoma na niveau archidiocèse ya Kinshasa. Il n'y a pas longtemps, Bato Bayebi, le cardinal Ambongo, notre fameux cardinal, à l'Obakino, Bazo exploité l'enseignant, gratuité de l'enseignement, et qu'on a la raison pour qu'on exploite l'enseignant. Mais tant que nous sommes dans le fond, Moussala Oyo, Église catholique, à Salina, l'enseignant, c'est une exploitation à outrance qu'on quand même. Il y a l'État congolais. Je vais aussi vous lire seulement la clé et la répartition. Il y a des frais d'intervention ponctuels. Mbongo yo ekota kana ba église conventionnée catholique na ba école. Mbongo nyon se kota kana ba église na ba école conventionnée. Comment cet argent-là est géré? Comment on répartit les frais d'intervention ponctuels? Ils ont instauré depuis 1993-93. Na ba circuit ya ba école conventionnée catholique. 40% yambo onyon se kota ke pana bango yango nde mutekendaka na paye ya ba enseignant na frais de fonctionnement 60% o etikalaka 20% ezapo na cardinal yé moko 20% ça dit soki mbongo eza 20 millions bino mbongo ko sala calcul 20% eza combien et ko kende pa cardinal yé moko yé mutazo zwango ça c'est frais maintenant 40% mususu etikali yango bazo kabola na ba église na ba archidiocèse pour na ba fonctionnement na ngoyango bazopesa na ba église. Maintenant tozo ye ba ke 60 millions oyoyo bande ko retenir gouvernement ba église catholique. 60% na ce sont des millions et des millions. Ces 60% là tango gratuité de l'enseignement yé et mettre fin na magui wana. Ça dit mbongo ngo bande ko rançonner bande ko exploiter na ngo l'état congolais. 60% wana e kauki. Boka oki wana bakoti na onazo réinsister sur l'élément au pour ba tout comprendre ba grève zo utawa. Maintenant les pauvres enseignants au peuvent ne quoi appartenir na système wana. Bazo avantage à cause moins salaire à $500 ya $800. Baza muke par rapport ya la majorité des enseignants congolais oyo bazaki pe marginalisé sur le plan national. Ba ngo le quoi bazo rapé moins 500 800 pour eux c'est un bon salaire. Mais dans les fonds business il y a des responsables catholiques, il y a des gestionnaires catholiques. Quand on a des gens qui ont la gratuité, il y a des gens. Quand le cardinal nous dit, quand la Ben Chole nous dit qu'on ne peut pas construire la gratuité de l'enseignement sur base de l'exploitation des enseignants, alors que l'Église catholique exploite les enseignants, il est revenu au Ekotaka, bon au Ekotaka dans quatre églises catholiques. L'économie, oh, ils ont acquis des choses, ils ont acquis ça, les lois, ils ont prêt à grever pour l'amélioration de la condition, de salaire, na bango. Mais bon, écoute, les abeilles, na banane, bazo, zo mbongo, wana bazo liango. Mais les bateaux, ils ont acquis des choses, ils ont acquis ça, bongo na bango, ils ont mon anate. Maintenant, on touffe, on étouffe. Balingi grève, t'es parce qu'ils ont fait ça sonne. On avait dit ici, si, tout le bas qui est en haut, que mon système, oh, ba responsable religieux catholique cardinal Ambongo ba mususu ba lobito benga ke sou cardinal était aza politicien hein na ba ben choli makambo wana nyonso tulubaki ango ah ke ce qu'ils disent ils ont kati na bango ils défendent leurs intérêts aujourd'hui vous comprenez que les mêmes bêtises se répètent na kati ezo mona na mena tout est en lumière la grâce que nous amène l'opportunité que nous amène le régime de Félix Tshisekedi déjà que ya eloko moko te amabe zo batama muta ko bombo azate tango zo cha makelele mabena oyo pozo sale ko bimaka na lumière batu bako yebango
comprenons que bato baza ko entêter ba enseignant bango moko nde mutu baza ko exploiter ba enseignant baza même ko exploiter bato na l'église na bango soki na arcidiocèse a Kinshasa bato bazo lela ba conditions salariales alors qu'on sait que ils ont ba monseigneur ils ont ba cardinal bazo vivre lix mais yozo reprocher na ba ndeko que non ba nouveau riche natamuke ba baza ko s'enrichir baza ko exploiter peuple congolais mais yozo exploiter ba ndimi yozo exploiter ba ouvrier Yanzambe na kati église vous exploitez bango vous exploitez les enseignants na kati église na donc vous continuez ko exploiter ba enseignants donc pour na yo eza malamu ba yebisa yo te mabe yo zo sala donc yo ba ko ko rappeler mabe yo zo sala te il faut mboke pela moto parce que ba rappeler mabe na yo yo ko ko bongo la mutema te voilà comme ça ba te belé o baza ya mabe na mboko mona ba to ko bosa na ba ko mona bango ce sont les gens qui n'ont pas aidé ces pays au balata qui pose ya même alors que za bankoyi bango mutu bazo détruire bazo boma ba congolais je ne peux pas terminer ce numéro pour na kolobela makambo si je zo sala pe la une actualité na biso eza comme bonus nini to salité vraiment il y a des frères congolais ba rappeurs ba bimisi opus na bango vraiment eza bien ba lobi nini to sali nyonso ba jeune de prière nyonso vraiment a brosser tableau moko malamu ya o ezali Congo ya lelo c'est que les jeunes vivent vraiment c'est bien aujourd'hui parce que na régime atiseke di bazo autorisé ba tuba s'exprimer malamu so que ezali n'époque a Kabila na yibike aner alinga osala sumu sana epona kolokota ka bato mais on doit pas s'arrêter à là critique ezala ka critique moko positive nous avons tous accepté vraiment félicitations bravo les artistes bosale musala malamu ya ko interpeller ba dirigeants parce que to yibike il y a plus de 50 ans que le Congo souffre de la part des dirigeants. Ma dirigeant mauvaise qualité va rendre société congolaise invivable. Le Congo aujourd'hui est invivable pour les Congolais parce que nous avons une mauvaise qualité de dirigeants. Ba élite baza soutenir na mboka na biso. Nous avons rejeté la sagesse. Tout ça la ka intelligence, ba tumaye le besoin inventé mais sagesse zate. Mais tout ce qu'on a été dans l'ennemi, tout ça, l'été. Quand on fait la critique, on comprend qu'on n'a pas tout fait. Biso mokwana tolingi mboka na biso mote. Biso mokwana, nous avons maudit notre pays. Tolubagi mboko ekotika la kobongate. C'est de nos propres bouches que nous avons maudit le pays. Biso moko tozoke ne kobongisa bande bamboka baninga. Soko outi poto kouti, tout est bon là-bas. Mais quand vous revenez chez vous, vous voulez détruire. Et ça, biso moko. Et ça ne s'arrête pas seulement à interpeller les dirigeants. Nous avons encore beaucoup à faire. Ce tolingi mboka na biso. Biso moko to faire avancer mboka na biso. Totika koza la distrait, non. Parce que ils ont comme à distraction lorsque certains récupérateurs, ils ont abattu mususu, certains politiciens qui ne peuvent pas montrer comment ils font leur opposition dans des normal. Mais oh lelo, bazo profiter na moi titre wana ni to salité pour banda ko justifier opposition na bango. Batika kotia congolais na distraction, congolais koza la distrait. Ni to salité, oui, on peut pleurer, on peut faire tout ce qu'on fait là. Mais si nous ne posons pas de bons actes, oh yo le lo ko faire changer mon cannabis, to sali et lo ko mon côté. O ko toyé mango, to ko binango, nous allons crier. Ceux qui peuvent arranger bato ba ko ko bongisa situation à Congo le lo ezali ba congolais bango moko. Alors cessons d'être plaintifs. Nous avons encore beaucoup à faire. Nous devons aimer notre pays, nous devons changer nos mentalités. Congolais le lo azali accroché à tant à valeur mon côté to za miyibi. De la même manière que tozo senga ki ba dirigeant ba changer tozo senga bebele pombo ke sala po na biso de la même manière que nous devons aussi beaucoup faire pour notre pays soko tikali ka ovande ozo zela bazo ba décision malamu po lobi ozo musala lobi obonga et toi tu ne vois pas ce que tu peux faire pour ton pays et toi tu n'aimes pas ton pays o sala nous eloko mon côté nous allons passer le Congo va rester mais nous devons comprendre que les actes d'aujourd'hui surtout jeunesse biso ba jeune. Il faut comprendre que ba axe na biso a lelo muteko déterminer Congo ya lobby. Il n'y a pas que les dirigeants passent. Même il y a ba dictateur ba leka, Mobutu Azaki Sese Seko il est passé. Félix Tshisekedi aussi, c'est un passager, c'est un président, il a des mandats, il va faire à koleka. Nous allons continuer à nous plaindre jusqu'où? Ils ont tenté ya ba makelele na ba débat ezangatina. Il y a des gens qui profitent de la distraction, de la diversion ko luka ba sije ko distraire nango ba congolais. Soko za congolais ya lelo foye ba Congo ya lelo. Pour to comme na concert ba nation ils ont senga qualité citoyen nini ou comment na que il faut changer mentalité na yo otika muyibi à tous les niveaux parce que bazo caractériser biso partout dans le monde que les Congolais c'est un voleur c'est un moins sérieux
Ce qui est congolais, nous avons changé de mentalité, nous avons sous plaintif. Merci pour la bienvenue au plus. Bato bako ko digérer on andenga malamu hein. Ezali pe ke biso pe to bongola bizali na biso. Soko za nono na makasi te ozala vocation ko za la politicien te inutile ko koma ministre po koma muta ko futa banyongo na village. Muta ko fina village oke ndeko somba cercueil. Ça n'a pas de sens. Oza ministre te po na village na yo. Soko za nono na vocation wana te inutile ya kote ka dip po ba nomé yo o koma mandataire public. To changer bizali na biso. Botika ko yibisa ba ministre. Ba ministre bazo yiba pour biso tout le monde dépendre na ba ministre na ba député so ko changer to ko mona peke makambo bele ko changer. Nous avons beaucoup à changer. Merci à vous. Après tout nous restons tous congolais. Vous qui suivez cette émission de partout, merci de m'avoir suivi, merci pour votre fidélité. Continuez à soutenir cette émission pour na éveil ya conscience ya ba congolais, pour na compréhension ya malam, na amour ya patrie. La patrie s'aime, on défend sa patrie, on peut mourir pour sa patrie. Merci à Papi Kelina Rifin de Kisombe une fois de plus. Merci et Ndeko Mike qui m'ont assisté pour la réalisation de l'émission Oyo Bazalaki na technique. Quant à moi, je vous dis au revoir et prochainement. À la plus 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, et instant. Oyo l'unique shop congolais de Londres, na Grande-Bretagne. Oyo til à Londres, et zaliko sa la fierté à communauté na biso. Et surtout, y'a un homme d'affaires congolais sérieux na diaspora. Oh yes, 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 yes. C'est créé un ten store et zalika kamoko. Le sérieux. Aken, na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit na ye. Où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à mi Eden Store. Oh yes, mon climat bimbe yébam. Ma maman y a Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Yasolon, produits originaux. Et yes, les alipes berceau y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret Yasolon. Oya posoya mama moi c'est qui toko. Posoya moi so benza basali ko lula. Posoya moi so mobala kotala ya lembate. Posoya so ko tamboli masanga sima. Eh oui, yango de ba produits zo tekama na kati Eden Store. Na ba produits alimentaires. Oya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya mama congolaise. Eh oui, nyonso ko se pensa mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai ngai, ndole. Fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kubonga pona cuisine na wezali. Oh yes, yes, yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala kayo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na si sa biloko nyonso tiela kaye na mesa. Secret zali kaka moko. Eden Store.